Il nous plaira toujours, comme un juste héritage, de mettre en valeur cette cuisine créole, où tout un chacun, par simple besoin de partage, hache et coupe autour d'un foyer qu'on fignole. Premier panier. L'or naît le feu ronflant, entre deux pierres posées, qui noircit par des bois odorants cul de marmite, dans lesquels roussissent jusqu'à être bien dorés les riches épices qui, de nos odorats, dynamitent. Là, mets savoureux à des cœurs de panistes, ici, où les Ankaris exhalent leur fumée, pendant que les chefs, comme vrais concertistes, attisent et activent pour que tous puissent humer. Et la table est dressée, mais ne s'y trouve assiette. En créolie, feuilles de bananier suffisent, tout comme couverts dont nos doigts ne s'apprêtent. À l'instant, seules nos mains seront de mise. Tel est notre petit pays en partage et réunion. Il fera toujours bon y vivre tant qu'on aimera. Dans le confort de telle simple tradition, croire que de ces agapes, il est survivant.